Hello les potes, c'est Dofusé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo que j'attendais de faire avec impatience. Que je re-attendais de faire avec impatience. Vous l'avez déjà vu dans le titre pour votre part. On va faire aujourd'hui du brisage suivi de l'exo. Donc on va commencer par briser toutes les gélobottes dont je vous ai présenté le contenu il y a deux jours, qui était la session de deux soirs de farm, qui était deux sessions de soirs de farm. On va briser toutes ces gélobottes. J'ai aussi 19 anneaux, voilà, pour au cas où chercher une rune PA, au cas où les gars il y aurait un petit passage de type inopportun, ça pourrait être bien cool. Donc on va récupérer toutes les gélobottes comme ça, qu'on va les briser tout simplement. On va devoir le faire en plusieurs étapes. Et tout simplement, toutes les runes PM qu'on aura, on ira les tenter en Géano PAPM. On verra si on a vraiment pas de chance, j'en rachèterai un petit peu plus pour compléter le tout. On a toujours, les gars, notre fameux Gélano vide de la dernière fois qui n'était pas passé après nos 10 tentatives. On espère que ça va le faire. On vient ici. Oh, il y a un crack qui a exactement la même gueule que moi, les gars. Regardez ça. Ah, ben ok, bon, on va briser ici, d'accord. Le jeu veut qu'on brise ici, on brise ici. Alors, on met tout ça, les gars, tout simplement. Hop, voilà. Combiné, oui, voilà. Allez, combien de runes PM sur cette première session, les gars? Là, hop, 8 runes PM déjà. Ça, c'est cool. J'en voulais au moins 10. Je pense qu'on en rachètera peut-être un petit peu en plus. Mais 8 runes PM, les gars, pour la première session. Est-ce qu'on a eu des runes prospé aussi? Ouais, ça vaut combien ça? On va regarder rapidement, les gars. On va juste regarder rapidement parce que, quand même, il y a moyen que ça soit sympa. Les runes prospection normales, ça vaut combien ça? Oh, waouh. Ok. Ok, ok, attendez, on en profite. On en profite, on va les mettre pas trop. On va les mettre pas trop cher, les gars, honnêtement. Pour les 100. Parce que ça, pour moi, ça va baisser très très vite. Donc honnêtement, si vous voulez cette vidéo, je vous conseille de faire pareil. Parce que ça, c'est quelque chose qui va pas rester très longtemps à ce prix là Par contre, les pas prospé, et donc voilà, assez cher. Pas prospect, on est à 35 000 Kama les 10. Allez, hop. Voilà, d'habitude je baisse pas les prix comme ça, les gars, mais ça, je suis persuadé que ça va baisser. Et je vois mal qui c'est qui n'achèterait par 100 là tout de suite. Donc je tente ça, on verra. D'ailleurs, à combien sont les prix des runes PM? Pour vérifier, pour vérifier, les gars, les runes PM sont à sont à 50 000 unités quasiment. Sachez que, je sais pas si vous vous souvenez, moi je sors de la vidéo en fait que vous avez vu il y a deux jours sur le brisage, sur le vidage de banque. On avait calculé que j'avais pour 504 000 Kama de Gélobot, les gars. Donc on va voir si on a été rentable au brisage ou pas, de toute façon, avec uniquement les runes PM. Ça m'a l'air, honnêtement, oui, parce que vu le prix des runes et vu ce qu'on a déjà obtenu, ça me l'air être une réponse positive. Allez, on va briser ces dernières bottes là. On espère choper, aller au minimum 2-3 runes PM en plus pour dépasser les 10. Mais j'ai oublié de prendre les anneaux. On va prendre les anneaux. Hop. Les anneaux, ils sont où? Ils sont là, ici, bam. On va pas briser les gélanos tout de suite, les gars. On va éviter. Le taux est très très bas, les gars, des anneaux de l'invocateur satisfait comme ça. Anneaux satisfaction, du coup, là. Du coup, on a même pas. Je pense que c'est très dur qu'on obtienne une seule rune PA sur ça. Mais on sait jamais. Allez, briser un objet. Hop. Non, t'inquiète, j'arrive. Parce que là, les gars, on a notre joyau qui est prêt. Il est prêt, il est prêt. Donc, allez, ça, on met tout ça. Bam, 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 bam. Et bam. Très bien. Combiné. Oui. Fine. Ok. On va ouvrir ça. Nickel. Ils ont bien débugué ça. Par contre, avant, ça buguait de ouf. Ok, on a 10 runes. On a peu de runes PA, ce qui nous étonne absolument pas. Et par contre, on a ça de nouveau. On va voir, les gars, si on est rentable déjà sur le brisage. Ça, c'est bien parce que je pense que oui, on est rentable. Donc, déjà, au niveau des runes PM, on en a 10. Donc, on est à 450 000. Et oui, on est largement rentable parce qu'on a dit qu'on avait 504 000. Donc, il faudrait qu'on vende pour 54 000 de ressources. On y est large, en fait. Donc, on a été rentable sur notre brisage. Donc, petite astuce, vous avez vu qu'on peut être rentable en ce moment sur le brisage des gélobots. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, on les remet au même prix. Ok, je vais juste en acheter deux pour remettre un lot de 10, les gars. Je pense que ça peut être correct de faire ça. On va en acheter deux à l'unité. Deux, voilà. Et on va en remettre par 10. Ça, je sais que ça partira tôt ou tard à ce prix-là, honnêtement. Hop. Surtout que les systèmes de prospection sont très recherchés en ce moment. Et là, on en a 74. Donc ça, non. Je vais les garder. Allez, les gars, on va tenter, du coup, 10 tentatives, on va voir ce que ça donne. Alors, où est-ce qu'il est, Frozen? RDV, atelier. Bonta. On va l'attendre, les gars. Putain, j'ai la pression. A chaque fois, mais quand même, les gars, 500 000 en jeu. Hein. Braque, on sera tranquille. Vas-y, on va à la braque. On va à la braque, on va à la braque.
Les gars, à chaque fois j'ai la pression parce qu'on met quand même 500 000 cam en jeu. Vous imaginez les gars, 500 000 ce que c'est sur Dofus Retro, c'est pas rien quand même. HDVD runes. Allez, on va mettre 500 000 cam les gars en jeu. 10 tentas. On fera minimum 10 tentas par semaine, les gars. Il est là, Frozen. Allez, putain. Pourquoi on tente ça, les gars? Pourquoi on dépense toute notre thune dans ça? Invite. Oh là 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 là, les gars, pourquoi on tente ça? C'est vous qui me faites faire ça. Hein, j'espère que vous êtes satisfait. J'espère que vous êtes satisfait. Allez, on est parti. Notre Gelano, notre 1 PM. Première tentative. Dites-moi là dans les commentaires à l'heure actuelle si vous pensez que ça va passer. Si oui, quel tenta. On est parti. Yo, Dofizoms. Yo, yo. Allez. Non, la première ne passe pas. Putain, les gars, si ça pouvait passer, ça serait tellement bien. Allez. C'est parti. Combien de tenta? 10 pour l'instant. Allez, allez. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, ça passe pas. Ah là là là, les gars. Putain, j'ai le cœur qui bat à 10 000 sur ça, les gars, sur ces tentas. On va essayer, les gars, de faire le petit tour comme ça de la croix là. Je sais pas ce que c'est cette flèche là. Allez, 3, 2, 1. Non, allez. Please, le jeu. S'il te plaît, allez, Dofus. C'est parti. Non, il nous reste 6 tentatives, allez. Après celle-là, on sera à la moitié des tentas, les gars. On sera à la moitié des tentatives. Allez, go. S'il vous plaît, mettez-moi un PM sur cet anneau, allez. Putain, ça serait tellement bien, le petit Jeannot PAPM sur le CRA, là. Allez. C'est parti, les gars. Non. 4 tentas, allez, 4 tentas, 4 tentas, 4 tentas. Est-ce que ça peut le faire? Allez, le jeu, c'est ça. C'est exactement ça, déjà, l'atelier qui disait, allez, le jeu. Enfin, qui m'a MP, là. Allez, 3, 2, 1. Allez, s'il te plaît. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. C'est parti. Non, 2 tentatives. 2 tentatives pour tenter de passer le PM, les gars. 2 tentatives pour passer ce PM. Allez. La dernière tenta, les gars. La dernière tenta. C'est parti. Allez. Non, putain. Ah là 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 là. Ah là là. Putain, les gars. Ah, il faut pas grid, il faut pas que j'en refasse maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller refarm des gélobots et que avant la fin de la. Enfin, attendez, on est quel jour là? Ouais, non. Semaine prochaine, j'en refais une avec 20 tentas cette fois-ci. Si on dépasse, les gars, 200 pouces bleus sous cette vidéo, semaine prochaine, vous avez une avec 20 tentatives, les gars. On est déjà à 20 tentas en tout sur notre Gelano. Nous, ça veut pas trop passer. J'ai vu des clips de gens qui en avaient passé. Je crois que Nozada, il en a passé un. Il a géré de ouf en vrai. J'aimerais tellement que ça passe. J'aimerais tellement que ça passe, les gars. Ce qu'on fait, c'est que voilà. Si on fait plus de 200 pouces bleus, les gars, on en fait 20. Sinon, on en fera 10 quand même. Toutes les semaines, je vous dis qu'on en ferait minimum 10 de tentatives. Et une fois qu'on aura passé le Gelano, les gars, on s'attaquera aux tentatives Exopea des anneaux Griot Royal. Donc, on achètera la panneau Royal Griot Royal. Et tout simplement, on tentera l'Exopea sur le Griot Royal après. Donc voilà, on va tester tout ça, les gars. J'espère vraiment que ça passera sur le prochain coup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les gars. On se retrouve du coup tout de suite pour le tirage au sort. C'est parti. Du coup, les potes, on se retrouve pour le tirage au sort de la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque fois que je sors une vidéo sur ma chaîne, et bien à la fin, je vous propose tout simplement de faire un tirage au sort. Et certains d'entre vous ont remporté une somme de Kama ou tout simplement des items mis en jeu. Aujourd'hui, on est parti pour remporter une somme entre 10 000 et 100 000 Kama. Donc, pour participer, c'est très simple et totalement gratuit, les gars. Il suffit de s'abonner à la chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu et de mettre un commentaire. Si vous faites ces trois choses, vous serez présent dans tous mes tirages au sort. Donc, allez-y, n'hésitez pas, on s'abonne. On met un pouce bleu et on met un commentaire et vous serez présent dans tous mes tirages au sort. On est parti directement pour voir la somme qu'il y aura à gagner. Du coup, les gars, attention, ce sera 38 000. Oh non, 38 000, les gars, on va rajouter un coup ou pas? Allez, on rajoute un autre coup, les gars. On rajoute un autre coup, oh, 10 000 en plus. Bon, du coup, les gars, ça fait 40 000 Kama qui seront à gagner dès demain. Et en plus de ça, les gars, je rajouterai un petit bonus, un item de la panneau griotte. Vous savez, hier j'ai acheté la panneau griotte royale.
Donc tout simplement, j'ajouterai soit les bottes, soit la cape, etc. Soit les bottes, la cape, il n'y a pas de cape, mais soit les bottes, soit la ceinture, soit l'anneau, soit l'amulette. J'ajouterai un de ces 4 items, les gars, demain, en plus à gagner. On le tirera au sort directement demain. Donc voilà, les gars, 40 000 kama plus un item griotte à gagner. On fera ça jusqu'à la fin de la semaine, comme ça je ferai gagner toute la panneau, tout simplement, vu que j'en ai crafté une autre en plus. Donc voilà. Si demain tu veux toi aussi du coup remporter soit les 40 000, soit l'item griot, n'hésite pas, tu t'abonnes, tu mets le pouce bleu et tu commentes. Le vainqueur de la vidéo d'hier, les gars, qui remporte les kamas mis en jeu, il s'agit de Jérôme M. Félicitations à toi, t'es au top, mec, merci beaucoup. Et tu remportes tout simplement les kamas mis en jeu dans la vidéo hier. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, vous avez tous mes liens en bas dans la description, le Twitter, le Twitch, etc. Je vous laisse découvrir tout ça, et je vous embrasse très fort les gars, c'est Dofusium, bye.